warm-up sur le 102.3 FM. Qu'est-ce qui se passe le warm-up? Yo, what's up? Bon, relax, on est là. Yo, my bad, man. J'attendais d'arriver chez nous, mais je suis obligé de le faire quand même maintenant. On dirait que t'es au milieu de nulle part, là. Where you at? Oh, on est là, on relax. How you been, man? Qu'est-ce qui se passe? Hein? How you been, bro? I'm feeling good, man. Chilling, you know? It's a summer. Yeah, I see your whole label's been busy. Yeah, nah, for real. What? The shit went hot. Shit gonna be hot soon. Really soon. C'est drôle parce I don't want to get no dates. Hein? J'avais pas parlé à Anthony aujourd'hui, alors je savais pas qu'on te recevait. Puis cet après-midi, avec d'autres amis, je parlais de blockchain. Puis honnêtement, like I was telling my friend earlier, I think you guys really. This is the first time I see a label that actually gets it. Ouais, mais ça, c'est les magiciens, c'est les magiciens, c'est PO, puis c'est PO. Didier, avec Sam, il y a Sam aussi. Il y a tout le monde là, c'est comme, ouais, c'est les magiciens, man. À la fin, c'est comme, moi, je me suis dit, c'est comme, shit, je me suis jamais mis avec une équipe comme ça. Exactement. So, pourquoi pas essayer, comment je veux dire, so, c'est intéressant. Très intéressant. Comme si, à la fin, c'est comme, moi, je peux de faire la musique, écrire la musique, that's all. Tu es occupé du reste. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Donc, à la fin, je le faisais juste tout seul. Puis je faisais mon streaming money, YouTube money un peu. Et puis, ouais. C'est comme ça. Tu sais, des fois, on m'appelait pour des shows, des fois, comme si des featuring. Je sais pas, mais je le faisais tout seul. So, je me disais toujours comme si, ah, OK, je vais faire les bails tout seul maintenant. Comme si dream work makes the team. Like, teamwork makes the dream work. For real. That's it. On salue tout le monde qui sont connectés. By the way, if you have any question for King Banks, don't be shy. On est là. En plus, on est en direct à la radio au 102.3 FM. Vous pouvez nous écouter à la radio et sur Instagram Live. Parle-nous un peu de ton dernier single, ton dernier hit que tu as sorti. Nous, on jouait en repeat ici à la radio. Parle-nous un peu de ce single qui est disponible partout, right? Attends. Là, vous parlez de Zero ou le BB Remix? Zero, parce que BB Remix. Non, on va parler des deux. Le BB Remix, personal favorites, mais on va parler des deux. Ouais, non, ça c'est un bon shit. Ouais, Rosalvo m'a juste demandé comme si let's get it, man. Zero Remix, j'ai dit aïe. Comme si je suis down, comme si. De toute façon, on est dans la même famille, comme si on est dans la même équipe, là, c'est la famille, soit à la fin, c'est comme yo. Comme si je veux encourager tout le monde qui m'encourage aussi, c'est ce que je veux dire. C'est comment partager, parce que je vois que ça fonctionne assez bien, c'est comment partager, comme on dit, le stage avec d'autres gars qui sont aussi talentueux que toi, à toi? Ben, à la fin, partager le stage, c'est comme tout le monde est dans son monde, comme il n'y a pas trop de compétition. Moi, je n'ai jamais vu ça comme compétition. Déjà, je suis un rappeur anglophone, whatever, comment je veux dire. So, à la fin, c'est comme, je ne vois pas ça comme compétition, je vois comme tout le monde doit réussir, comme. Si tout le monde réussit, ça va être belle pour Montréal au complet. So, à la fin, je me dis, pourquoi voir ça comme compétition? Comme c'est pas mon style, je trouve. Je suis dans mon monde. C'est pour ça que j'ai pris Mercury. Parce que Mercury, c'est la planète qui est liée avec mon signe astrologique. So, astrologique, c'est ça l'astrologique? Ouais, en tout cas. Soit à la fin, c'est ça. So, mais qui baisse en ce moment? Je veux montrer à tout le monde que. Je suis dans mon monde, je ne vais pas nécessairement faire que de la musique. Toi, t'as une femme qui est deep dans l'astrologie, là. Non, même pas. C'est juste comme si j'ai pris la planète Mercury. Au début, j'allais prendre Saturne, mais j'ai tapé sur le Google. J'ai dit, OK, Mercure, c'est OK, c'est Gémeaux. Boum, ouais. OK, allez, je vais prendre cette statue-là. Mais à la fin, cette planète-là. Mais à la fin, c'est comme, je me suis dit aussi, je veux emmener les gens dans mon monde. J'ai fait des beats comme dans l'album. Qui sont différents, toujours différents flows, toujours comme, juste pour emmener les gens comme si dans mon monde. That's it. Et bro, si on reçoit toujours cette question, mais tu sais, comment tu trouves le rap game à Montréal? Comment tu trouves ça en ce moment-là? Ben, tout le monde rappe maintenant, tout le monde rappe. So, tout le monde rappe, exactement. Tout le monde rappe. J'encourage tout le monde, comme à la fin, c'est comme, yo, j'ai commencé. Est-ce que je savais que ça, si mes amis ne m'auraient pas encouragé, j'ai commencé comme ça, soit à la fin. Si tes amis t'encouragent et disent c'est bon, pourquoi pas, comme si, pourquoi pas essayer. Tout le monde mange de ça. Comme, c'est le temps que Montréal réveille,
Et parce que tout le hate, toutes les affaires comme ça, ça ne va pas aider Montréal à avancer. C'est sûr et certain, comme si ça ne va que nous reculer. Comme si les States l'ont bien fait, comme si tout le monde l'a bien fait. Sincèrement, il faut juste penser plus loin parce qu'on est bas, on est une ferme. Montréal, comme c'est tout petit, là. Tu vois, je veux dire. Sauf si on ne s'entraide pas, si on ne se pousse pas, comment on va réussir un jour? Moi, ça fait longtemps. Moi, je réussis dans la vraie vie. J'en ai rien à foutre. Mais à la fin, je fais ça avec la passion. Mais à la fin, tout ça, il faut que les petits jeunes comprennent que si on ne s'entraide pas, tout le monde qui me demande des features, je les donne. Il y a des gars que je ne connais pas, je les fais payer. Tu comprends? C'est mon business. Mais à la fin, je te donne un feature. C'est parce que je vois quelque chose en toi quand même. Comme si tu me demandes un feature, je vois quelque chose en toi. Si vous avez remarqué, j'ai toujours été là avec les plus grosses têtes de Montréal en ce moment. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire un peu? Soit à la fin, tout ça, c'est comme j'ai been encouragé, share, whatever. Tu sais, je comprends là maintenant, c'est un petit peu différent. Tu sais, aussi, tu sais, il y a des affaires qui se passent dans le rap game. Tu sais. Mais à la fin, tout ça, c'est comme il fallait la team, blockchain. Puis moi, je crois que cette année, c'est l'année. Ça, j'ai donné zéro, j'ai donné bip bip. Mais sincèrement, pour moi, c'est comme c'est vraiment la première étape là, dans l'échelle. Mais c'est quoi, tu vois, différent maintenant que tu es avec blockchain versus ta situation avant ça? C'est plus organisé, tu sais, c'est comme il faut plus être comme préparé aussi. C'est vraiment comme c'est complexe un peu, mais comme c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que à la fin de tout ça, c'est comme si j'écris, on va dire, puis j'oblige à mon manager de me dire « Yo, change cette phrase-là. Yo, change cette phrase-là. Yo, change cette phrase. » So, tout est good. Il n'y a rien. Comme, for real, c'est comme si blockchain, s'il y aura, on va dire, comme si 15 blockchains dans MTL, tout Montréal aurait réussi. Sûr et certain. Comme je sais qu'il y en a déjà eu, comme je sais qu'il y en a même encore, pour les gens, comme on va dire, c'est les rappeurs français, québécois, je sais qu'il y en a toujours eu des labels, des gros labels. Ouais, mais tu sais, comme la conversation que j'avais aujourd'hui, c'est que oui, ils sont là, ils sont organisés, but they don't get it on a street level. Ouais, mais moi, je dis aussi là. Which is very important in hip-hop. Ouais, ça, c'est. Le street, c'est hip-hop. Le hip-hop, c'est street. Donc, je veux dire, mais en 2020, il faut comprendre un peu que. Le hip-hop est plus street. Ouais. C'est plus pareil. Comme, j'adore. Comme si moi, j'ai grandi sur du street hip-hop. Tu vois, je veux dire. Mais il faut accepter que les petits jeunes sont down avec toute musique qui sonne bien à leur oreille. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. It is what it is. Music is music. Moi, je ne crois pas que c'est à mélanger avec le street. C'est là aussi que, comme ça tombe mal, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans la musique qui n'est pas celui de se passer. Si tu mélanges la rue avec la musique, parce que la musique, c'est la passion de tout. So, à la fin, c'est comme si, moi, je me dis shit. En tout cas, on va faire à qu'est-ce qu'on fait là. 2020, c'est 2020. C'est comme il y a des snitchs, tu comprends? Il y a des snitchs comme 6ix9ine qui bon. Ils sont callers du street. Yeah. Fuck that nigga 6ix9ine. Mais il est platinum, il est number one. Ouais. You feel me? Moi, je ne fuck pas avec ce genre d'affaires-là. Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je te parle comme si le street n'est pas musique, musique n'est pas street? Parce que sinon, si street était musique ou musique était street, 6ix9ine ne serait plus là. Je ne comprends pas. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est vraiment c'est compliqué. So. Moi, j'encourage tout Montréal, tous les petits jeunes qui commencent. Il y a un petit jeune que j'ai vu dans l'enfance sur Instagram. Il y a 13 ans. Yeah, King Felly, qu'on a reçu justement. Yo, King Felly. Shout out à King Felly. King Felly, c'est le futur, là. Yeah. Mais c'est ça qui m'a, je voulais te demander justement, on recevait cette question-là. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu donnerais justement à cette nouvelle génération qui s'en vient, qui veut commencer le rap? Comme, dans quoi, c'est quoi le bon chemin? Suggestion. C'est ça, suggestion. Qu'est-ce que tu donnerais à ces jeunes qui nous écoutent, qui sont passionnés, puis qui savent aujourd'hui, tu sais, le rap, c'est un métier. So, I want to do it. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi, je donnerais comme conseil, shit, man, toujours continuer, écouter de la musique. Si tu aimes la musique vraiment passionnément, tu écoutes toujours de la musique, tu es un gars qui écoute toujours la musique, ça veut dire que tu aimes la musique. Ça veut dire c'est juste la pratique. C'est comme le basketball. Si lui shoot 1000 fois, puis toi, tu shoot juste 100 fois dans la pratique,
ou ailleurs après la pratique, c'est sûr qu'il va devenir meilleur que toi. Ouais. Donc, à la fin de tout ça, je ne believe pas au talent. C'est comme, oui, il y a du talent, mais à la fin, c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est comme, il faut que tu en mettes dans leur face. Ouais, for real. Même si les gens n'aiment pas ça, mets-le dans la face. Mets-le dans la face. À la fin, ils sont obligés de le manger. Bro. That's it. Bien dit, bien dit. Tu comprends? So, il faut vraiment comme si push Montréal. Puis à la fin, c'est comme, comment je pourrais dire ça? Il faut être aussi sélectionné. Like, comme, il faut que tu sélectionnes, vous sélectionnez des bonnes affaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bons. Comme il y a beaucoup de gens, c'est pas mon style. Je veux pas dire que c'est pas bon parce que la musique, c'est comme, c'est de l'opinion. Ouais. So, à la fin, moi, j'encourage tout Montréal. Je sais que ça va arriver un jour ou l'autre. Comment je veux dire? So, it is what it is. On a warm up. Like, comme si on a warm up. Avant de mon temps, on avait The Main Source. Tu sais, on avait. Yeah, shout out to The Main Source. On avait, ouais, on avait l'autre à côté. Tu sais, c'est comme, à la fin, là, il y a warm up. Il y a tous ces gens-là. Comme si ça commence. Tu comprends? Je vois déjà ça commence. So, à la ça fin, continue. Exact. Non, mais c'est drôle que tu dis ça, mais Kibenz, on lit un peu les questions, on shout-out à tout le monde qui sont là en passant, est en direct au 102.3 FM, puis eux qui nous écoutent en retour, allez faire un tour sur Instagram. Kibenz, si je te dis les 5 artistes les plus chauds à Montréal en ce moment, en français. Je sais déjà qu'est-ce qu'il va dire. Les 5 plus artistes rap en français à Montréal? Yeah. Ok, ben yo, regarde. Ah, en français, alors, ouais. Mais ok, moi, de mon point de vue... Yeah, vas-y. Oh, ok, je vais y aller. Ok, bon, moi je dis c'est comme, vous pouvez pas mentir, vous pouvez pas mentir que vous voulez ou que vous voulez pas. Enima. Mm-hmm. Yeah, shout out Enima. Lost YB, sûr et certain. Right. Micro brûlant. MB, sûr et certain. Shout out MB, shout out 514. Tous les moi c'est ça que j'ai, écouté, j'ai entendu. Je peux pas comme, il y a pas de choix comme personnel, tu vois ce que je veux dire. Ouais. So, il y en manque un. Puis je vais le dire parce que j'ai jamais. Ma bad, t'as vu, j'allais vax sur un. Ciseau. Wow. Mais en passant, là. Ma bad, je pas. Non, parce que y en a, là, il y en avait 6. So, j'en ai tel. Là, comme c'est wow. Là, dans ma, moi, c'est comme ça, comme dans mon shit à moi. Ma, ouais. Comme ce qu'on veut dire. Mais c'est comme. Il y en avait même 7 même. Il y a Shreeze. Comprends, je veux dire, il y a Shreeze que il pète les bails comme si c'est différent. So, it is what it is, my nigga. Je veux dire, même on peut mettre Canicule en un parce que honnêtement, il n'y a pas un gars dans Canicule qui donne pas. Shit. Mais à la fin, fidèle pour real. J'ai demandé 5, Freddy, bro. C'est ça. Non, bro. En plus, j'ai oublié Loud. Bon, j'ai oublié Loud. En plus, 100%. Il fait des trucs. Yo, il y a Fonda et Freddy. Il y a un secret que personne ne sait non plus. Ben, que le monde sait, mais qu'on n'en parle pas non plus. Rosalvo rap en français. Ouais, je sais, mais moi, j'essaie de mettre Rosalvo. Moi, j'essaie de mettre Rosalvo en anglais. 100%. Puis là, je vais te demander, Kibenz, I wanted 5. Les artistes, les 5 en anglais maintenant à Montréal, bro. Les plus chauds à Montréal. On veut de l'action ici, là. Let's go. Chaud de l'action, hein. c'est ma nigga, man. Pour moi, dans mon wave, dans mon shit, c'est moi. It's Benz, baby. Yeah. J'étais là, j'ai fait, j'ai vu. J'ai vu. C'est I put Montreal on the map. J'étais à LA. It is what it is. J'ai comme si les gens, ils sont. Yo, sans promotion, sans aide de personne, j'ai bien touché les affaires. Quand les 100K étaient à la mode, c'était comme des 1 million là. Dans Montréal, j'ai bien touché ça. Je suis dans le street en train de trap. For a living, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas K-Benz. Soit à la fin, tout ça, c'est comme arrêté là, comme si. J'ai été dans toutes les générations qui font live en ce moment même. J'ai fait des beats avec tout le monde, comme si. Quand je dis, c'est comme. À la fin, le hate, c'est comme du love, parce qu'à la fin, que vous vouliez ou vous voulez pas, c'est comme des facts. Tu veux pas changer un fait. Bien dit. Mais là, t'as pas terminé, bro. OK, qui va être 4, hein? Yeah, vas-y. Yo, shit, les gars, je pas donner du clap comme ça. Il va donner tout son label. Shit!
Ah! Yo, pour de vrai, regarde, je vais juste vous donner ça. Ok, on va donner. Non, je vais vous donner ça. Yo, je vais vous donner ça. Non, je vais vous donner ça. Ok. Il y a beaucoup de gars qui ont du talent en anglais. Mais meilleur talentueusement rap for real en anglais que moi. Moi, je te dis. non, for real. Mais la peur, c'est que. Quand tu pèses un K-Benz, bow, il donne un wave, il donne un autre son. J'ai pas de métaphore, je te fais danser. Yo, tu me donnes un autre son de femme, je te donne à la femme. Si tu me donnes un autre son rapide, je vais te donner à la rapide. Yo, et je suis dans la rue en ce moment même. Arrêtez, les gars. Avec toutes mes chaînes. Je suis un real street, nigga, un trap, nigga. For real. So, à la fin de ça, c'est comme, je vais pas donner de clout à personne. Les nègres, hey, it is what it is. Il n'y a pas de chimie, mais à la fin de tout ça, it is what it is. Je ne vais pas donner de clout parce que personne m'aurait donné de clout. First of all. So, à la fin de tout ça, moi, j'ai donné le clout. J'ai donné tous les points aux gens qu'ils méritent en français. Tu vois, je veux dire. Mais ce n'est pas à moi de demander. Tu peux demander la question, c'est qu'il est bon. All right. Je veux dire. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Tous les gars qui travaillent fort, qui font bouger la ville pour elle. Yo, bro, il y en a beaucoup. Puis vous savez c'est qui les beaucoup qui sont forts. Yes. Moi, je veux dire, vous savez c'est qui. Puis je ne vous demande pas de nommer mon nom si on vous pose la question. Whatever. Ou vous pouvez me nommer des noms puis pas nommer mon nom. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis sur Mercure. Je fais de la musique. Non, ça fait partie des gars les plus chauds, les artistes les plus chauds, anglophones, surtout à Montréal. Comme tu l'as dit, bro, puis tu as 100% raison. Puis nous, 100% on va répondre comme ce que tu viens de dire. Non, c'est ça, mais je vous aime vraiment beaucoup parce que for real, vous posez des bonnes questions, vous mettez de l'action, comme si vous êtes bon, vous êtes très fort, il faut continuer comme si. Puis à la fin, c'est comme aller chercher d'autres amis parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de talent à Montréal. Mais bro, rapidement, bro, inchallah, tout le monde, encore une fois, qui sont là, si vous avez des questions, on vous voit. Bro, dis-nous, qu'est-ce qui s'en vient, bro? What's coming up? What's coming for Key Benz? Ok, yo, regarde. Il va y avoir de nous 4 nouveaux vidéos, ça va être malade mental. On va être à des places très, très, très exotiques. On passe à un autre niveau, là. Mais c'est pas nécessairement passer à un autre niveau, mais oui, c'est comme ça, c'est comme shit. C'est comme plus, je veux le faire différemment. Parce qu'avant, je shootais les vidéos comme si, ok, on shoot une vidéo aujourd'hui, on est là, on pose. Non. Tu comprends? Ça doit être organisé. Là, chaque blockchain, ouais. Tu comprends? Ils sont derrière moi. On va essayer de faire les affaires comme il fallait les faire. Puis après ça, yo, shit. Après ça, Mercury on the way. Après Mercury, yeah. Après Mercury, je sors mes albums. Il va en avoir au moins de 10 à 20 albums, sans vous mentir. OK? Comme si j'en ai déjà là, 2 à 3 préparés, je sais déjà. So, à la fin du passage. Mais c'est comme une manufacture de bord. Tu rentres dans un basement, puis t'as trois producteurs qui t'attendent. Yo, je te jure, c'est ça qu'il faut, mais il faut lui en donner un, des fois deux. Tu comprends? Mais je vais te dire la vérité, comme si, yo, bro, si moi, je suis un money man. Moi, là, je te prends un beat sur YouTube. Si je le veux, au pire, je vais appeler le partner, j'achète l'exclusif. That's it. Je ne vais pas trop perdre mon shit, hein, je veux dire. Mais. Ouais. Oh, vas-y, non, je te laisse la parole. Non, je voulais te demander justement, on veut un peu savoir aussi, quand tu parles des nouveaux albums et tout, mais les collaborations qui s'en viennent, est-ce que tu vas aller chercher du monde, encore une fois, des États-Unis, ouais, mais... de Toronto? Oui. Avec tes gars, ton équipe? Ouais, mais sauf que je ne veux pas en parler de ça parce que, tu sais, non, les mauvais. Non, je ne veux pas en parler parce que je veux vraiment que ça soit une surprise. Tu comprends? Right. Mais à la fin de tout ça, on monte les échelons. Soit à la fin, comme si les grosses collaborations vont venir, ça c'est sûr. Mais je ne veux pas en parler. Puis je veux vraiment que ça soit une surprise pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mercury, j'aurais aimé ça sortir tout seul pour montrer aux gens que je t'emmène dans mon monde. Sans feature? Mais peut-être avec quelques features, mais peut-être pas. Je veux pas, okay. Comme si vous promettez ça. Mais les prochains singles qui vont venir après, whatever, ça va être lit. Alright, bro. Lit. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec le warm-up? J'entends vous, je vois vous interviewer tout le monde. Tout le shit, tout le Montréal. On n'a pas le choix. On donne la place à tout le monde. Comme tu l'as dit, il y a tellement de talent à Montréal, frérot. Puis t'en fais partie.
Puis continue ton bon travail. Nous, on va toujours être là, bro. On a plein de surprises, plein de trucs qui s'en viennent. We want, man, merci d'avoir été là, bro. Key Benz, the one and only Montréal. Oh, King Fally, c'est King Fally. Sa vidéo qui a été partagée, plus comme, on est rendu à comme 175 fois, plus de comme 3000 likes. Pour vrai, envoyez, ça envoyez-moi ça, je l'ai partagé. Ça va ça, bro. Ben merci d'avoir été là, bro. On a hâte de te voir. On va te voir en studio next time, right? C'est sûr et certain, je vais vous inviter. Au pire, on va faire ça, c'est sûr et certain. Bet. All right, très bien. Faites attention avec vous. Faites attention avec vous. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.